Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on est où? On est à Dubaï, non je rigole. On est à Paris. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui à Paris? On est dans les locaux de CertiDeal. Tout simplement, pourquoi je suis ici? C'est très simple. On va voir comment on reconditionne un smartphone. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait? CertiDeal, c'est quoi? Si tu connais pas, bien sûr, tu auras le lien en description, donc n'hésite pas à aller voir ça, ça fait ultra plaisir. Tu pourras du coup trouver sur leur site des smartphones reconditionnés à des prix vraiment très compétitifs. L'avantage chez CertiDeal, c'est que c'est eux-mêmes qui reconditionnent leur smartphone ici à Paris. On est à Paris ici tout simplement. Ça vient pas de Allemagne, Chine, tout ce que tu veux. Les amis, bien sûr, l'avantage du reconditionné, c'est que c'est bon pour la planète. Et ça, c'est cool, on apprécie. Et aussi, tu payeras ton smartphone bien moins cher que si tu l'as acheté neuf. Donc ça, c'est cool. Les amis, aussi très important, j'ai oublié de vous le dire, il va y avoir un concours pour gagner un iPhone 10 directement en description. T'as le lien sur Instagram, sur Twitter. Tu vas participer pour gagner un petit smartphone, ça fait plaisir. Donc n'hésite pas, tu lâches ton meilleur like, tu t'abonnes, comme d'habitude, tu connais. Du coup, les amis, c'est parti, vous me suivez. On va voir étape par étape comment on reconditionne un smartphone. C'est parti, let's go, suivez-moi. Bon, du coup, les amis, là, on fait la première étape, c'est l'initialisation. Qu'est-ce qu'on va faire sur le téléphone? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je vais le faire, en fait, les amis, donc j'ai pas envie de faire de bêtises. Cette première étape-là, c'est la première étape de tri des téléphones. D'accord. Pour que ça puisse passer en test. C'est là où on va mettre de côté tous les téléphones qui sont bloqués opérateurs, okay. Bloqués par un d'accord. Code, bloqués entreprise. Du coup, on met une carte SIM. Ouais, d'accord. Toujours. Bah là, après, on fait le démarrage classique de l'iPhone, voilà, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, en gros, en fait, si le téléphone il arrive sur le menu, c'est que c'est OK. Et puis après, on peut passer à la suite, voilà, quoi. Sans ça. Forcément faire de manip un peu spécifique, quoi. Et du coup, il y a combien de personnes qui fait cette partie-là? Enfin, tout le monde fait ça, plus ou moins, non, ou voilà. Ça tourne. Il y a trois personnes, et dépendant du rythme des commandes, ouais. Plus de personnes. Et il y a combien de téléphones qui passent par jour, plus ou moins, par cette étape-là? Ou combien ils font de téléphones par jour? À peu près 700 en tout. Enfin, par jour? Ouais. 700 téléphones par jour? Ah ouais, faut être efficace quand même. Hein. Oui. Ah ouais, d'accord. Ah, moi, je m'attendais peut-être à 100 ou 200, quoi, mais pas plus. Et là, du coup, on arrive sur le téléphone. Voilà, c'est ça. Ça y est, c'est initialisé. Et ici, on vérifie toujours que ça capte bien le réseau. D'accord, comme, oui. En fait, ça vient d'un autre opérateur. On sait pas, il faut qu'on vérifie bien que ça capte le réseau à ce moment-là. D'accord, parce qu'il peut être bloqué, opérateur. Ouais, ou bloqué iCloud. Voilà, et dans ce cas-là, ça se passe comment? Normalement, nous, on achète des téléphones qui sont censés être voilà. Bloqués à ouais. La base. Il y a deux moyens. Soit on demande le déblocage en ligne, soit on demande le déblocage à l'opérateur. Du coup, là, l'étape 1, elle est finie. Maintenant, étape 2, qu'est-ce que c'est l'étape 2? L'étape 2, du coup, c'est la sélection pour envoyer en test les téléphones. D'accord. Dans cette application-là, on ouais. A aussi la liste des commandes directement. Donc, on voit toutes les commandes des clients. Ouais. C'est par modèle, par grade. D'accord, et, ouais. Et on a toutes les autres informations, s'ils veulent une batterie neuve, s'ils veulent... Ouais, d'accord, parce qu'on peut choisir ça sur le site si on veut une batterie neuve ou si on veut... Exactement. D'accord, ça c'est bien. Et donc là, je vais voir qu'il y a beaucoup de 864 ouais. À envoyer. Donc ce téléphone-là, on va le mettre en test. D'accord, donc là on passe du coup à l'étape 2, qui est tout simplement le test du téléphone. Donc là, c'est le test manuel, donc là, t'as pas besoin d'appli, tu vas le faire toi-même avec les tests qui vont être faits différemment, il y en a 30. Voilà, comme ça, moi, tu sais que quand t'achètes ton téléphone reconditionné, tout ça, c'est testé. Alors moi, je reçois le téléphone, donc, ouais. Par exemple, on a besoin d'envoyer ça, c'est un XR. Donc là, moi, je vais tout mettre, le modèle, ouais. La capacité, la couleur, et après, je vais mettre une note au téléphone. Et la note se fait, il y a des critères ou c'est à l'œil? Il y a des critères. Ouais, d'accord. Du coup, ça va de très beau, ouais. Comme neuf, ouais. Pas beau, avec quelques rayures. Comme les cartes Pokémon qu'elles sont gradées. Proche du neuf, ça se vend très cher, en bas, ça se vend pas du tout. Absolument, il est beau, hein. Il est pas mal celui-là. Il n'y a pas de rayures. Faut voir là quand même parce que les rayures des fois. Faut bien regarder. Donc là en fait du coup, là j'ai mis deux. E c'est pour l'écran. Ouais. Et c'est pour la coque. D'accord. Là, on note devant, derrière vraiment. Ouais, il note sur le devant voilà. Et sur le derrière. D'accord. Voilà. Exact. Donc là du coup je vais pouvoir démarrer le test. Avant tout ça, je vais regarder vraiment tous les boutons. S'ils sont pas enfoncés, s'ils voilà. Fonctionnent, etc. Ouais. Là le haut-parleur il marche. Le haut-parleur. Donc là ça sort d'ici. Ouais. Je regarde bien. Il y a aussi le capteur de proximité. Donc, ah oui, voilà. Ce qui fait que ouais d'accord. Donc du coup après je vais passer. Au micro, au dictaphone, test. Là, il fonctionne. Donc après, je passe aux caméras. Donc là, le test, il est fini. Tu as fait tes 30 points de contrôle, voilà. Tout est testé. Et ça te prend combien de temps, ça? 3 minutes. 3 minutes. Après, c'est automatique, tu sais ce que tu dois tester, après, ouais, tu fais tes tests, voilà. Et puis après, puis voilà. C'est toujours pareil, du coup, on...
Bah après t'as l'habitude quoi. On essaie de vraiment de rien laisser passer, voilà. Ton téléphone est testé, donc tu peux l'acheter bah, en toute sécurité. Du coup, là on a fini l'étape 2, qui était le test du smartphone. Les points de contrôle, ils sont contrôlés. Du coup maintenant faut passer à l'étape 3. Donc ça c'est l'application de test logiciel en fait. D'accord, ok. Donc c'est une application de test beaucoup plus complète que ce qu'il y a sur le marché en termes d'appli de test quoi. D'accord, ok. Donc elle évolue tout le temps l'appli quoi. Donc les téléphones sont testés de mieux en mieux, et sont de plus en plus sécurisés quoi. Et du coup ça commence le test voilà, du téléphone. Là, donc là c'est pour tester le... D'accord. Ah ça c'est les couleurs de l'écran, ça. Voilà, ça je l'avais déjà vu sur une... C'est pour voir s'il si n'y a pas de pixels morts. Ouais. Voilà. Voir si tout fonctionne n'importe quel endroit. Et là ça te met... Ça met le résumé de tout ce qui a été fait. Voilà, et exactement. Si ça a été réussi ou pas. Donc en fait en plus des 30 points de contrôle, il y en a peut-être 50 autres qui sont faits avec cette application quoi. Voilà c'est ça. Donc ça fait un test encore beaucoup plus complet. L'étape suivante, ça va être quoi? Du coup, on va changer une batterie, c'est ça? On va sélectionner une commande qui a besoin d'un changement de... Qui a payé pour l'option changement de batterie pour avoir une batterie neuve. Du coup, vous l'aurez compris, à chaque étape, ils ont une appli dans laquelle ils rentrent l'étape 1 est validée, l'étape 2 est validée, l'étape 3 est validée. Comme ça, au moins, ils ont une traçabilité bah, du téléphone. Donc ça, c'est cool. Alors moi, c'est vrai que j'ai déjà changé des batteries sur des iPhones plusieurs fois. Plusieurs fois, mais moi, je l'ai fait en peut-être une heure, quoi. Là, ça va être fait en quoi? En 5 minutes? En 10 minutes. Ah oui d'accord, ok, je pensais pas aussi rapide. Donc là on est avec... Avec un iPhone 8. Un iPhone 8, ça j'ai déjà fait moi, j'enlève les deux vis en dessous. C'est ça les vis pantalon. Ça c'est le plus simple, alors sauf quand les vis ils sont foirés. Ouais. Ça c'est horrible. Là ça se passe bien parce que le vis il est nickel. Voilà. Mais s'ils sont foirés comment ça, là, ça se passe? On a juste un tournevis un peu plus gros. Là il y a une encoche ici en dessous. Ouais là ça j'avais fait, il faut tirer, parce qu'il y a il y a le joint, la colle. Du coup il faut bien l'enlever, il faut surtout quand on le remet, il faut remettre un joint dessus non? Oui. Pour l'étanchéité, oui, oui. Il fait ça en 3 minutes quoi, moi je mets 10 ans à le faire. Et là c'est comme un livre. Ouais. Quand on est là, on va... Et là tac il est ouvert et on a accès à l'intérieur. Et là ça je me rappelle, faut enlever des petits caches, t'as accès à la batterie, connecteur et là tu déconnectes quand t'enlèves la batterie. Petit en PVC. Pour déconnecter le connecteur de batterie. Ah oui parce que la batterie elle est super collée, bien fixée. D'accord ouais. Et du coup avec la chaleur ça décolle un peu, ça détend la colle. Et puis d'accord ok. Il fait ça en 5 minutes, c'est vraiment... Bon après, pour ma défense, moi je le fais en une heure, mais lui il en fait peut-être, je sais pas, 50 par jour, 100 par jour. Des fois il y a des cas comme ça où... Des fois ça se fait en une minute comme ça peut se faire en 10 minutes quoi. Ça dépend vraiment de l'état du téléphone, de la colle si elle est d'origine ou pas. Mais c'est pas trop dangereux de changer une batterie, avec des outils, de... Non, c'est, là, tout ce que j'ai c'est sécurisé quoi. C'est pas pointu ici, il y a une partie de... Ouais. Donc c'est pas d'accord. La voilà, et une batterie, maintenant il n'y a plus qu'à mettre la neuve et puis hop. Et là du coup, la nouvelle batterie. Toute neuve, toute nickel. Donc c'est soit une bande toute prête, soit de la colle. Mais ça faut absolument y penser parce que ouais. Sinon le téléphone il va plus sous l'eau quoi. Faut pas avoir des gros doigts avec ces vis. Et là c'est nickel. Et puis hop, le téléphone est refermé et la batterie est neuve. Et du coup là la batterie est changée, après on passe à l'étape suivante. Bien sûr il va l'initialiser dans l'application pour avoir bien sûr la traçabilité du téléphone. Il va dire qu'il a changé la batterie, que c'est ok. Et puis après on passera à l'étape suivante. Vous l'avez vu, hein, 30 points de contrôle plus l'application de test en plus, plus là on change la batterie ou on fait des réparations s'il y a besoin de faire des réparations. Tu as quand même 24 mois de garantie, donc voilà, tu as le temps de voir venir, il n'y a pas de problème, donc tu peux tranquillement acheter ton smartphone reconditionné sur le site de CertiDeal. Les amis, vous avez le lien bien sûr de CertiDeal en description. Vous avez tout de suite maintenant un code là, -15€, code Solotech. Voilà, ça vous fait plaisir, allez acheter votre smartphone déjà. Il vous coûtera bien moins cher qu'un neuf. Et en plus, -15€, bah, ça fait plaisir. N'hésitez pas, code en description. Et là, on a le téléphone qui a la batterie changée. Du coup, on va passer à l'étape suivante. Là, c'est la phase nettoyage. La phase nettoyage, d'accord. Voilà. C'est là où on va associer le téléphone aux accessoires que la personne a demandé. Il y a aussi dans la boîte des accessoires qui sont fournis. Alors, les clients peuvent commander ouais. Une vitre et une housse. D'accord. Mais à chaque fois, il y a un chargeur. Il y a toujours un chargeur, mais après ils peuvent commander des trucs en plus pour... Voilà, d'accord. C'est ça, une housse premium, enfin... Ouais, ça c'est toujours important, parce que dès qu'on sort le téléphone, on l'ouvre, on le tombe. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bête. Bienvenue chez les nettoyeurs. Ouais, ça se fait carrément à la brosse à dents, quoi, donc c'est vraiment du bon nettoyage. Ah oui, on nettoie, on va pas laisser les saletés et... Tous les iPhones avec les doigts en verre, ça prend tellement les traces de doigts, les trucs comme ça, quoi, oui, c'est... Nettoie ça en 5 minutes, moi mon téléphone, je mets 10 ans à nettoyer. D'ailleurs, je vais peut-être lui donner le mien, il va peut-être le nettoyer. Comme ça, moi, quand vous achetez un téléphone, moi, vous le recevez, il est tout propre, quoi. Parce que bon, c'est vrai que recevoir un téléphone sale, bon, c'est pas... Ouais, là, il est nickel. C'est propre. Tout propre, tout beau. Ouais, ça brille en même là, temps et tout.
Là, c'est... Voilà, je me vois à travers. Parce que du coup, là, voilà, la vie, le client, il a demandé une vitre en plus. Ouais. Et elle est posée directement. Direct. Ça, c'est bien, ça. Par les experts. Il n'y a pas de bulle, nickel. Génial. Nickel, le téléphone, parfait. C'est propre. Et puis après, ça passe à l'étape suivante. Oui, fais ça en 2 minutes et puis en c'est nickel, minutes, quoi. Tout est propre. Du coup, maintenant, on passe à l'étape suivante, qui est l'étape... L'étape impression. Impression. C'est là où on génère les bons. Les bons. Pour envoyer les téléphones. Ouais. Du coup, selon l'endroit où on envoie le téléphone, ça ne va pas être le même transport. Oui, oui. Du coup, ils ont une responsabilité particulière pour bien vérifier. Est-ce qu'il y a tout ? Est-ce que c'est le bon ? Est-ce que c'est le bon téléphone ? Ouais, parce que... Voilà, c'est ça. Ils prennent en photo le téléphone, ouais, devant, derrière, pour bien vérifier pour prouver l'état du téléphone avant de partir de chez nous. D'accord. Dans la petite pochette, et ça part à la poste. Voilà, c'est ça. Bon, dernière étape, les amis. Bon, ça, c'est une étape un petit peu bonus. Voilà, un petit peu bonus. Je vais vous montrer comment on polie, c'est ça ? On polie un écran de téléphone. Parce que des fois, quand t'as des micro-rayures, au lieu de changer l'écran, bah apparemment, on peut le polir. Ça, je savais pas. Donc, on va voir ça tout de suite, en fait. Déjà, les micro-rayures. Alors, on va essayer de montrer les micro-rayures. Parce que c'est vraiment des trucs... je sais pas si on verra très bien, mais ouais, d'accord. On a que ça comme rayure. Oui, donc c'est très minime, ça. Des fois, les gens, ils s'en fichent, ils achètent comme ça aussi. Hein. C'est ça. Et ça marche vraiment, ça marche vraiment bien. Bah, on va faire le test. On va essayer. Tu me diras comment ça sort ensuite. D'accord, ok. Ah oui, une machine spéciale et tout, quand même. Hein. Ouais, en fait, c'est juste une... Ouais, c'est une grosse polisseuse, quoi. J'avais jamais vu ça. Mais c'est vachement cool. Et ça dure combien de temps, là, le... 7 minutes. Non, en vrai, si on voit un peu quand même la différence. Là, ouais, d'accord. Bon, alors du coup, je vais devoir faire nettoyage du téléphone. Parce que du coup, les amis, ce téléphone-là, il va être à gagner sur Twitter, sur Instagram. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas. Du coup, en fait, si je m'en occupe mal, eh ben, désolé, quoi. Alors, comment qu'on fait avec ça? Donc là, il faut nettoyer, en fait, tous les... Par exemple, ici, là. Parce que, ouais, dans les grilles, c'est vrai que... Comme ça... Là, c'est propre. On nettoie ça aussi. Mmh. Hop, ça. Ouais. Puis après, avec ça, on nettoie tout ce qui est. Toi, tu enlèves toutes les traces de doigts. Ouais, normalement, il faut peut-être avoir des gants parce que sinon, je vais en mettre de partout des traces de doigts. Tac, tac. Ah oui, après, il va falloir mettre la vitre, donc il faut que ça soit propre. Voilà, ça va, il est pas trop mal quand même. Je fais du bon travail, non ? Peut mieux faire. Ah ouais, d'accord. Peut mieux faire. Et du coup, après, on met la vitre. Bon, alors, ça, j'ai fait plusieurs fois sur des iPhones. Et sur l'iPhone X, j'ai fait au moins une dizaine de fois. Ah, bah, du coup, tu peux. Ah, mais ça normalement, je sais faire. Donc, c'est ce côté-là. Ouais. Donc, c'est vrai que je le fais le téléphone allumé, mais bon. C'est pas très droit, mais bon. Faites le signe en CDI. C'est pas très droit quand même. Hein. Mais au moins, il n'y a pas de bulle, c'est déjà pas mal. Est-ce que je suis engagé? Non. Il faut faire d'autres tests encore un peu. Ah, et là après, quand on va partir, ils vont reprendre le téléphone, ils vont l'enlever, ils vont tout refaire. Ok, bon là, du coup, on est au SAV. Oui, on est toujours dans le même bâtiment, on n'est pas parti en Chine ou à droite à gauche. Donc, comme je t'ai dit, c'est garanti 24 mois. Donc, si t'as un problème, il est renvoyé ici. En délai de traitement, c'est beaucoup plus rapide que si ça partait en Chine ou n'importe où. En gros, donc, vous passez par le site, vous faites une demande de retour. Le service client, il traite votre demande sous 24 heures. Ensuite, on ouvre un retour, ça passe chez nous, c'est vérifié, testé. Soit c'est réparé, soit c'est échangé. Ça dépend de la panne. En général, on s'engage sur un délai entre 5 et 8 jours ouvrés. Voilà, parce que si le SAV était en Chine ou je sais pas où, ça prendrait plusieurs semaines, plusieurs mois. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait ultra, ultra plaisir de découvrir comment on faisait pour reconditionner un smartphone dans les locaux ici à Paris de CertiDeal. Vous avez bien sûr en description tous les liens importants. N'hésitez pas à check ça fait plaisir. Tu n'oublies pas bien sûr le code promo SOLOTECH. Moins 15€ directement sur le site CertiDeal. Directement en description, tu as le lien, ça fait plaisir. Les likes, les commentaires, les abonnements comme d'habitude. Moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.